Bonjour à tous et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tout simplement analyser le clip de PD qui s'appelle Disquette. Voilà, clip officiel. Nous allons tout simplement nous retrouver sur sa chaîne YouTube pour regarder ça. Mais avant, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo et regarder ce que j'ai à côté de moi. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, mais du coup, de retour du Grand Prix de France, je viens de revenir. J'avais acheté un petit t-shirt. Il est trop petit. J'imagine, ce serait trop bête, genre, qu'il soit vraiment trop petit. Mais c'est pas grave. On en reparlera plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Commençons la vidéo. Abonne-toi, mon beau gassetto. Ok, alors déjà, moi, je m'attends à un truc un peu énervé, tu vois ce que je veux dire? Un truc. Je m'attends à peu près à ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, regardez la miniature comme elle est énervée. Ah non, ok. Bon bah, elle est sur une bouée. Hop, je pense que ça va être un petit son d'été. J'espère que ça va être ambiançant. Mais moi, PD, la musique, j'aime bien celle-ci là, c'est toi. Mais après, c'est pas trop ce que j'écoute. PD, disquette, clip officiel, on va essayer d'analyser un maximum, voir ce qu'il y a. Voilà, tout simplement. D'accord. Ils ont loué un petit Airbnb vraiment sympathique. Magnifique. C'est qui lui? PD et TA. D'accord. Lui, c'est un gros pointeur. Lui, il veut quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Mais. PD Disquette directed by Zephyr. Salut beau gosse. Ton père c'est un voleur, il a pris des étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Ah bah c'est tout de suite moins viril cette voix en fait. Ah hein, oh non, non. Non gros. Ton père c'est un voleur, il a pris des étoiles. Attends. J'ai pas compris, j'ai rien compris à ce qui se passe là. Donc déjà, premièrement, il arrive comme ça en mode gros pointeur, charo bye, t'as capté, parce qu'il y a des miss sur la plage qui sont vraiment pas mal, tu vois, c'est compréhensible. Mais après, par contre. Ton père c'est un voleur, il a pris des étoiles dans le ciel pour les mettre dans tes yeux. Ah oui. Ok, donc là, voilà, machin, on le dévisage parce que c'est un peu ringard, c'est comme ça qu'on dit. Un honneur. Et là, par contre, il y a un style qui est vraiment étrange. Les lunettes, moi, ça me. Tu vois ce que je veux dire? Oh! Oh! Les lunettes, c'est chaud un peu. Bleu comme ça, je sais pas ce qu'elle a voulu tenter. C'est. Écoutons, écoutons. Je l'avais vu sur Insta. Alors déjà, il y a un changement de flow qui est assez et heureusement qu'il est là, ce moment-là. Les garçons, c'est des chiens. Alors là, par contre, les garçons, c'est des chiens. C'est vrai qu'il y en a qui ont la dalle, hein, mais moi, je suis pas un chien. Moi, je suis super sympa, sachez-le. Non, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai. Allez. Moi, je suis différent, exactement. Là, heureusement qu'il y a ça. Ah, je suis pas fan de ce style, voilà, je te le dis, bizarre, mais ok. En fait, j'ai vu les teasers de Valouz, Inox et tout, c'est pour ça. Mon problème là. Je comprends pas là, c'est pourquoi ça s'appelle disquette parce que t'as eu la disquette la première là
mettre les étoiles dans tes yeux, mais après, il n'y a pas eu d'autres trucs, je crois. Ok, deux ou troisième disquette, d'accord. Donc lui c'est vraiment un petit canard. Sympa, hein? Moi je suis à peu près comme ça aussi, donc continuons. Ouais, oh, non, ça par contre. Alors ça par contre c'est malsain. Là, doucement. Là, je sais que les maîtres nageurs et tout, ils sont pros et qu'ils font pas ça, mais là c'est bizarre. Non mais lui là. Heureusement, j'espère que c'est un rôle parce que s'il est comme ça dans la vraie vie, je te jure, je vais plus à la plage. Mais tu sais, il regarde mon petit fessier là. Je veux voir des filles. Je veux voir des filles. Lui, c'est sûr, il a eu un problème dans sa vie, une couille dans le pâté avec son couple. Je suis désolé, mon ref. Je suis désolé pour toi. Bien raison. Bien rond. Ça, c'est bien. Ah, j'ai pas compris. Ah, le drop. Ah. C'est bien ça, voilà. Au moins comme ça, il comprend. Arrête tes disquettes. Parce qu'en fait, c'est tout simplement malaisant. Voilà. Donc, ça me paraît normal. Bien joué. Je n'aimerais pas être cet homme parce que ça doit vraiment être dur mentalement. Tu vois, t'es amoureux, machin, tac. Et elle te considère comme un déchet. Courage. Tu n'auras pas mon numéro. Attendez, le ça m'intéresse pas. Ça vous fait penser à un truc? Moi je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Ça ne m'intéresse pas. Tu n'auras pas mon numéro. Tu vois, regarde, écoute. Ça ne m'intéresse pas. Oh non non non, ça ne m'intéresse pas. Donc petit flow à peu près équivalent, on va dire ça comme ça. Mais du coup, débriefons. Il y a des moments que je préfère à d'autres, clairement, je vais le dire. Par exemple, le moment où c'est un peu plus mélodieux au début, là, tu vois, j'ai bien aimé. Mais après, il y a des trucs vraiment, je comprends pas. Tu vois, il y a des incohérences dans le clip, donc on comprend que c'est un gars qui veut pécho Pidi, ça on sait. Mais le problème, moi j'aimerais bien qu'il y ait Valouz, tu vois, qui commence à se taper, à lui casser la gueule, genre. Aïe! J'aimerais bien que Valouz, tu sais, il soit bizarre et tout. Donc Val n'est pas dans le clip. Donc on sait très bien que c'est un gros charreau qui veut du cul, hein. Non, qui veut Pidi. Voilà, c'est dit, c'est net, c'est précis. Après, c'est mal fait parce que tu n'abordes pas une meuf comme ça. Voilà. Genre, la meuf, peut-être, tu la connais, donc tu lui sors ça. Mais imagine, regarde, tu marches dans la rue. Oh. Salut. Ça va? Tu serais pas un pneu hard en Formule 1 tellement t'es fraîche. Merci. Non. Ça marche pas en fait, ces trucs, c'est devenu ringard, ces disquettes, machin et tout. Moi j'adore, hein, c'est super drôle.
On n'en a jamais sorti. Mais c'est drôle, tu vois? Ah, mais d'accord, ok, j'ai compris. Il y a des moments, en fait, le gars se camoufle pour justement les voir ou la voir. Parce que Théa, je sais pas si elle est dedans ou pas. Mais du coup, ce gars se camoufle pour regarder. C'est malsain. Voilà, là, c'est dit, c'est malsain. Je pense qu'il y a un message derrière. Arrêtez de mater les meufs comme ça! Vous croyez qu'une meuf, quand elle passe dans la rue et qu'il y a des gars qui la regardent comme ça, elle se rend pas compte que vous regardez son fessier? Les gars, soyez discrets. Ah, ah, les hommes, moi, je suis trop discret. Non, rien, je pars trop loin. Non, mais franchement, c'est un bon clip. Il est bien réalisé et tout. Je suis content parce qu'il y a du sens derrière et ça dénonce quelque chose, je pense. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Moi, j'ai compris le message. S'il n'y en a pas, tant pis. J'ai quand même compris un truc. Donc ne forcez pas avec les filles, les gars, c'est malsain. Et ne changez pas pour une fille. Aïe! Aïe! Je me suis cogné le pied! Une musique plutôt été, qui reste en tête, etc. Moi, je trouve ça pas dérangeant, parce que j'aimerais réécouter, mais je vais pas la mettre dans ma playlist, tu vois. Parce que c'est pas ce que j'écoute. Mais sinon, c'est bien! C'est bien, c'est bien réalisé et tout. Il y a des incohérences dans le clip, comme par exemple quand elle est sur son vélo avec les ballons, donc ça j'ai pas compris. Mais sinon, ça a plutôt du sens. Bien réalisé, donc parfait. Bien joué Pidi, c'était super. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo si tu aimes ça. Et voilà, Bogosito! Bogosito!